Démolition acte 2. Te présenter mon meilleur ami du moment, la pierre de biche. Faut évacuer un petit peu les gravats, sinon tu t'en sors pas, hein, c'est sûr. Sac à gravats, très pratique. Parce qu'on prête une remorque, mais j'ai pas la remorque tout le temps, donc du coup, sac à gravats, très bien. Costaud, pas cher, et tu peux évacuer pas mal de gravats. Alors, petit aparté pour te parler de cet outil-là, le marteau perforateur, burineur, enfin, voilà, de Hilti, le TE56. Voilà, bon, c'est pas tout neuf, mais c'est super, super efficace. Voilà, c'est du très bon matos. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a donné il y a quelques temps. Et ça va très bien, ça fait du très, 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 très bon boulot. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, tu verras à l'utilité, je vais te montrer le bon boulot que ça fait. Allez, on continue, c'est parti. Voilà. Bon, allez, on revient à l'étage des travaux, l'avancée de la pièce. Je casse tout, petit à petit, on avance. Voilà. Là, il va falloir que je rectifie tout ça. Je vais tout boucher. Voilà. Là, il y a du placo, donc ça me permet de casser sans mettre de la poussière en dessous. Et voilà, donc après j'enlèverai toutes ces poutres là. Et on avance. Donc là voilà, donc comme je te disais, ce qu'on va faire éventuellement, alors le but du jeu, bon, quand j'aurai tout enlevé là, ce que je vais faire, c'est que là-bas, sur cette largeur, je vais mettre un IPN. Voilà. Je vais en mettre un le long, là aussi. Certainement, je vais en mettre un en dessous de la cheminée. Voilà, histoire de la soutenir, quoique avec le plancher, il n'y aura pas de souci. Mais bon, ça me permet, en fait, si je mets un IPN au milieu, d'avoir des madriers en travers, tu vois, entre les IPN. Du coup, j'ai moins de portée sur un madrier, en fait. Voilà. Ça me fait séparer la pièce en deux, en gros. Enfin, le plancher en deux, comme ça, il sera plus rigide et plus costaud.
Donc du coup, ça sera beaucoup plus simple à réaliser et j'aurai pas à me farcir à péter tout le ou à agrandir les trous sur le côté pour remettre des poutres. Voilà. Donc voilà, mon idée à moi là après. Si vous me dites qu'il y a mieux, je suis preneur. De toute façon, je suis ouvert à toute proposition, évidemment, tu vas y aller. Donc du coup, IPN là-bas, hop là, IPN ici, un au milieu, et après, madrier en travers, puis après USB, etc., etc. De la cheminée. Voilà. J'ai coupé carrément dessous là. J'ai enlevé toute la moitié qui soutenait la cheminée. Et là, ben, maintenant, je vais faire l'autre côté. Tu vois, j'ai déjà enlevé les poutres là. Voilà, j'enlève les poutres hein, et puis après un bon gros coup de nettoyage et ça ira bien. Voilà. Donc pour cette vidéo, bah, c'est terminé. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera tout vide, tout nettoyé. Et puis on fera la suite au coup par coup. Voilà. Donc là, je ne vais pas en faire plus au niveau de la démolition. Je pense que vous avez compris. Donc du coup, là, je continue la cheminée. J'enlève les poutres, je fais un gros coup de ménage et puis après ben, je continuerai à préparer la mise en place du plancher. Voilà, et je casserai cette partie aussi avec la fenêtre là, je vais faire une ouverture. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, ça sera vide et on fera la partie, je pense qu'on cassera cette partie, la fenêtre là, et on fera une ouverture. Voilà, donc écoute, je te souhaite une bonne année et je te dis à la prochaine vidéo, peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je sais pas, je verrai selon l'avancée des travaux, selon si j'ai le temps ou pas, on verra, je te dirai, voilà. Allez, ciao, bye, à plus. J'avais oublié de te dire, tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur... Et sur Snapchat, bien sûr.